Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, je pense, un jour ou un autre, vous rendra un grand service, donc conservez-la précieusement. Nous nous sommes tous, ou vous allez peut-être être confrontés à cette situation où un beau jour, votre ruban disparaît. Le ruban, c'est toute la partie supérieure ici, dans laquelle il y a ce qu'on appelle les onglets, lesquels onglets donnent accès à différentes possibilités, police, alignement, nombre. Si je vais par exemple dans l'onglet formules, j'ai ici la bibliothèque des fonctions, la vérification des formules, les calculs. Si je vais dans l'affichage, j'ai le zoom, les changements de fenêtres, les modes d'affichage, etc. Eh bien, il arrive parfois que ce ruban disparaisse et on est bien ennuyé. Voilà alors ce que vous voyez s'afficher quand vous ouvrez votre classeur. Voilà. Alors là, vous êtes très inquiet parce que vous dites, mince, je ne peux plus travailler. Je vois juste ici, quand je sélectionne une cellule, dans la barre des formules, ce qui s'affiche. Mais comment faire pour afficher à nouveau mon ruban? C'est très simple. Vous mettez sur n'importe lequel de ces onglets, qui eux, fort heureusement, restent visibles, et vous cliquez. Et à ce moment-là, votre ruban réapparaît, vous êtes très content. Bon. Alors vous recommencez à travailler, et puis vous apercevez qu'il redisparaît à nouveau. Alors voilà comment il faut procéder pour qu'il reste affiché de manière définitive. Donc vous allez sur n'importe quel onglet, en l'occurrence on va prendre l'onglet accueil par exemple, votre ruban s'affiche. Et vous voyez ici tout à fait au bout, vous avez une petite épingle ici, et vous cliquez dessus, et du coup le ruban restera de manière définitive avec la barre des formules. Vous pouvez très bien faire ce que vous voulez, taper n'importe quoi, 58 ici, bon, et bien ça ne changera pas, voilà, votre ruban restera parfaitement correct. Voilà, j'espère que ça vous a rendu service et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.